Où c'est l'homme qui a clairé bien? Où c'est lui? On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous comptons avec aujourd'hui pour nous capables de partager ensemble le pain de vie, nourriture que le Seigneur préparait pour nous, afin que nous capables vivre en bonne santé spirituelle. Jeudi, c'est premier dimanche dans le mois, deuxième jour dans le mois. Nous dans le mois, sagesse, moi que le Seigneur ben nous. Thème tout neuf que le Seigneur ben nous, c'est sagesse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. N'a pas invité au à l'ouvrir la Bible avec moi, nous praler dans Proverbe chapitre 2, le verset 6. Proverbe chapitre 2, verset 6, qui ça lui dit? Il dit c'est Seigneur qui bail connaissance. Parole qui sortit dans bouche li bay l'esprit à comprendre. Amen. Amen. Et ça français a dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et si nous t'apprenons l'autre texte pour nous capables méditer parole bon Dieu matin, réfléchir sous parole bon Dieu matin, nous pourrons aller dans Proverbe toujours, chapitre 4, le verset 7. Proverbe chapitre 4, verset 7, qui ça lui dit? Il dit, cherchez des connaissances. C'est premier bagay, yon nom l'esprit doué fait. N'importe qui ça ou ka genye, bay li pou vin gen, comprendre. Amen. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Alléluia. Amen. Adorable Père Saint Jésus, Papa, nous qui dans le ciel. Nous glorifions, nous magnifions, nous Père. Nous disons merci pour parole. Et nous d'autant prie, Papa, bénis parole ça. Et permette à ce que chaque petit ou qui l'a, qu'a joigne une parole. Parole qui pour libérer. Parole qui pour convaincre. Parole qui pour instruire. Parole qui pour transformer. Et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous disons bon Dieu merci pour moi tout neuf ça et n'a pas souhaité chaque monde qui l'a bon mois de sagesse, bon mois d'avril. Bienvenue au mois d'avril 2023. Que le Seigneur accompagne vous pendant 30 jours ça, pour capable gagner, pour capable vivre au monde qui sage. Chercher gain connaissance, chercher sagesse. Je dis ya, moi vin di yo, chercher gain connaissance.
Et là, où est que la Bible Baoula, sagesse là, c'est connaissance. Chercher bien connaissance. Parole bon Dieu, mes bien-aimés, enseignez-nous que sagesse là, c'est premier bagaille, yon nom l'esprit doué fait. Vous entendez? Donc c'est premier bagaille, c'est bagaille principal que ou doit chercher gagner dans la vie ou. C'est pas une sagesse humaine qui sorti dans monde là, gagner nous pral wel puis devant. Différence n'a fait puis devant pour sagesse humaine là, sagesse monde là et sagesse bon Dieu. Mais ça la pando là, c'est sagesse qui sorti dans bon Dieu. Alors première question nous capable poser c'est comment ou capable river gain sagesse ça. C'est vrai je dis à moi même de chercher et nous pral garder à travers moi, à travers différents interventions que n'a gain pour nous faire, n'a va montrer, n'a va faire route là et tout prédicateur qu'a gain pour intervenir, il a montré ça. Comment nous capable river gain sagesse là? Comment ou capable faire différence entre sagesse monde là et sagesse humaine? Et pour qui ça mes bien-aimés, sagesse là li important. Pour qui ça moi-même avec nous doit courir derrière elle? Pour qui ça li important pour moi-même avoir nous gagner? Jean li dit dans Proverbe chapitre 4 verset 7 là, chercher gain connaissance, c'est premier bagaille yon nom l'esprit doit fait. Qui tout pas quel, la Bible gen en pile pour le dire et la Bible apprend nous en pile sous question sagesse mes bien-aimés. On pas connait sou réaliser que sagesse la jodi a la gon voix. Et si le Seigneur vini avec thème ça pour vous, c'est parce que l'a prélé ou. On blo réaliser que jodi a si le Seigneur vini avec thème ça pour vous, nan moi ça m'lo réaliser que sagesse a li gen yon voix. Et puisque li gen yon voix, jodi a la crier, la rele moi-même avec. La rele moi-même avec. Car regardez pour écouter le Seigneur sorti avec, li sorti avec dans résurrection ou même qui sont ressuscités ou même qui gen l'esprit résurrection qui habite dans ou. Et le Seigneur, alléluia, vini kounya, fokou capable mener bak ou yon jan. Nan monde sa koto ya la, gon jan pou fonctionner, gon jan pou camper, gon jan pou marcher, gon jan pou parler, gon jan pou yo wè ou. La paix bon Dieu avè ou. Amen. Jodi a ki sa wap chèche? Deye ki sa wap kouri? Men la Bible dou la chèche gen connaissance. Se premier bagay yon nom l'esprit doit faire. Gen moun ki ka comprendre chercher gen connaissance, ça c'est al prend connaissance l'école. Pour aller l'école, pour aller prendre degree, pour aller tuer tête ou nan étudier. Pour aller tuer tête ou pour aller chercher pour gen depuis ce degree gagner. Pas gen problème non. Pas aucun problème dans ça, des bonnes possibilités a ou ka étudier, pas aucun problème dans ça. Mais c'est pas connaissance ça la Bible parler là. Gen moun ka craser koyo pour chercher gain succès. Gen moun kap krasé koyo pour faire l'argent. Gen moun kap krasé koyo pour capable faire pour capable gain matériel. Gen moun kap krasé koyo et puis c'est pour voyager à droite à gauche pour faire comme pour capable aller dans toute qualité programme. Chaque moun ap krasé koyo pour un bagage. Et vous comprendre jodi a. Priorité des priorités a. L'irrité la sagesse. Priorité des priorités, je dis, ya, si gen yon bagay pou ap kouri de yel, si gen yon bagay pou ap krasé kopou li, eh bien, c'est la sagesse. La vraie, la sagesse qui sorti nan bon Dieu. Ça fait le Seigneur pote le pou ou, pour moi ça, parce que ou pral réaliser à quel point que sagesse là mes bien-aimés, connaissance là, ça bon Dieu a parlé là, eh bien, li important pour vous.
Ou pral découvrir comment ou capable rive gagner yon vie remplie de succès, yon vie qui gen sens, plutôt que ou ap essayé ou ap courir derrière l'argent, ou ap courir derrière ramasser bien matériel, ou quitter vrai, ou quitter priorité des priorités à terre, ou pas prendre. Je dis à courir derrière connaissance. Allez chercher sagesse. Car l'homme le plus sage, mes bien-aimés, et le plus riche de toute l'histoire, tendez bien, oui. L'homme, mes bien-aimés, l'homme que nous connaissons qui est plus sage là, et qui est plus riche dans toute l'histoire, mais comment les formuler, mes bien-aimés? Mais qui ça le dit, nous, sous question ça? Mais qui conseille l'hypothèse pour tout le monde qui a crasé koyo, qui a couru derrière matériel, qui a vendu sans yo, qui pas gain vie pour yo capable gain l'argent pour yo capable ramasser matériel ou matériel que y a quitté là yo pas pral aucun côté avec mais ça yo nomme tant que Salomon bayo comme conseil mais qui ça le dit nous dans Proverbe chapitre 23 le verset 4 mes bien-aimés mais qui ça Salomon déclaré il dit parole ça patouiller tête ou a courir derrière l'argent pour vin riche. Où était l'idée ou sous ça? Pas tout y était tout à courir derrière l'argent pour vin riche. Où était l'idée ou sous ça? Mes bien-aimés. En pile nan nou à courir derrière l'argent. Nous pas gen vie, j'aime ça dit nous. N'a craser kon nous, n'a vendre sans nous, n'a vendre le à droite à gauche pour nous capable faire crob. N'a pas couru de l'argent, mais ni la Bible dit la mais ni pour venir riche. Beaucoup gens mon monde millionnaire dans travail dit beaucoup elle moi-même. N'a crasé ko à droite, crasé ko à gauche, virer tourner à monter descendre, beaucoup elle monde millionnaire dans ça. Ou faire pour venir riche. Ou a gétan zo a gétan crasé, ou a gétan démoli avant riche là. Ou a gétan démoli. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen, amen. Ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. Bon Dieu, vous les bénir. C'est salié. Bon Dieu, promet aux bénédictions. Ou mettre sûr de ça parce que bon Dieu, pas qu'on m'a menti. Bon Dieu, capable, mes bien-aimés, li ka fait des bagailles qui allait au-delà de ça que ou même ou t'as capable imaginer. Bon Dieu capable faire des bagailles pour construire la vie ou de façon correcte. Mais pendant ce temps, ou capable ouais bon Dieu bénir et puis qu'on y a ou même toute bagaille tomber à l'eau à cause de qui ça? Toute bagaille tomber à l'eau par manque de sagesse. La paix bon Dieu avec vous. Amen, amen. Ou capable ouais mes bien-aimés toute bagaille a marché bon Dieu a servi avec vous bon Dieu béni vous et puis ou même ou craser toute bagaille à cause de qui ça manque de sagesse manque de connaissance même si bon Dieu gen possibilité li gen pouvoir li gen capacité pour le restaurer ça que l'autre la volé ça qu'on perdu bon Dieu gen capacité ça pour le restaurer pour le restaurer pour le restituer toute bagaille qu'on perdu à ou même tout ça que yo volé pour vous, bon Dieu, gen possibilité pour restituer yo. Tout ça qu'on perdu. Mais qui te me dit ou sans la sagesse, tout ça qu'on gagné, yo a volé. La paix bon Dieu avec vous. Tout ça qu'on gagné a volé sans la sagesse. Bon bon vous exemple. Toujours dans Proverbe chapitre 14, le verset 1er. Proverbe chapitre 14 verset 1er. Regardez qui ça lit après nous. Bon comprendre une femme. Alléluia. Attendez bien mes bien-aimés. Bon comprendre une femme fait qu'elle marche. La paix bon Dieu avec vous. Bon comprendre une femme fait qu'elle marche. Merci. Bon Dieu avec moi là. Amen. Est-ce que une femme avec moi là? Amen. Amen. Amen.
Voilà. Parce que la parole est là, donc, question de femme sage. Et pas femme sage qui pour accoucher femme, non. Et pas femme, et pas sage femme, non. M'a parlé de femme sage, et pas sage femme. Une femme sage. Une femme qui a beaucoup prendre. La Bible dit beaucoup prendre une femme, fait qu'elle marche bien. Mais une femme sotte. Pas moi qui dis le mes amis. Pas qu'à l'on est moche. Et il m'appelle. Je ne vais pas traiter aucune femme de sorte. Et pas moi qui dis. Pas tant de moi fini pour nous voir wash sous moi. Tant de moi. C'est la Bible. Mais une femme sorte à craser Kaili à propre main. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Mais il est bien aimé. Une femme qui vient pour comprendre à qui une femme sorte. Et ça la Bible campé là. Yon a construit, yon a crasé. Et nous capables, ouel, mes bien-aimés, femmes mouyo, mesdames mouyo, nous ka konen les dames de lumière, nous konen ça veut dire, ou femme qui a crasé Kaili. Même s'il t'a gagné toute qualité, mes bien-aimés, sans bon comprendre, nous femme n'a crasé foyer. Yes, amen, amen, yes. Li mette gagné toute bagaille, sans bon comprendre, mes bien-aimés, la crasé foyer. Yes. Et ça que fait français à dou, une femme sage construit sa famille. Mais une femme stupide peut la détruire. Wow. Ça peut bon Dieu avec vous. Amen, amen. Bien aimé, il n'y a rien de mauvais à vouloir aller de l'avant dans votre vie. Même si pas rien de mauvais, non, mais bien aimé, pour grandir, pour pousser, pour progresser, pour avancer, pas de problème, non. Pas de problème dans ça. Mais moi, je veux qu'on ait aujourd'hui, hein, la clé est de s'assurer d'avoir les bonnes priorités. Est-ce que je dis, hein, ou qu'on qui ça qui priorité pour vous? Est-ce que je dis, ou qu'on est par où commencer? Qui côté pour commencer? Il faut commencer par le commencement. C'est pour comprendre, pour chercher gagner. Yes, amen. Il faut commencer par le commencement. Il faut que chercher quelqu'un pour comprendre. Car sans quoi, mes bien-aimés, toute bagaille a volé en éclat. Toute bagaille a crasé dans la main sans la sagesse, sans une compréhension, sans la connaissance, sans un bon comprendre. Ça fait le capable d'où là? Une femme, bon comprendre, une femme fait qu'elle marche. Et pas magie le fait, non? Et pas magie le fait, non? Sous le foyer, il a marché, sous le cas, il a marché. C'est pour comprendre, ni oui, il fait qu'il a marché. Amen. T'as pas besoin d'aller faire tintin pour garçon, non? Ou pas besoin d'aller faire tintin, al vous regarder pour faire macaque, faire tintin pour qu'un garçon. C'est pour comprendre pour gagner, oui? La Bible bon secret, amen, mesdames. Amen. Gloire à Dieu. Yes, la Bible bon nous secret pour nous kebenek nous. C'est pas que je vais faire jalousie, vienne faire tente, vienne faire vieux bail, vienne faire parler en pile. Non, non. C'est pour comprendre qui construit famille. C'est pour comprendre qui fait foyer à marcher. Yes. Amen, amen. Je cherche pour comprendre, non. Et c'est lui la Bible, et c'est lui qui nous porter pour moi ça là. Cherchez pour comprendre. Cherchez une sagesse là. Pour tout effort qu'on a fait, mes bien-aimés, pour essayer de joindre ce qu'on voulait, ce qu'on a aimé, ce qu'on a besoin. Réponse là, ou est-ce qu'il n'est pas venu? Parce que réponse là, c'est changer pour changer priorité. Amen. Changer priorité. Qui ça qui priorité pour vous? Parce que la Bible dit où? Le Seigneur vient nous qui ça pour mettre en priorité. Concentrez aujourd'hui à son priorité. À. La priorité des priorités, c'est d'acquérir de la sagesse. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. C'est chercher que vous comprenez. C'est chercher que connaissance. Ça veut dire qui ça? Qu'il y a un bouleversement qui pour opérer la caillou. Qu'un changement fondamental qui pour opérer dans la façon de penser. Nos façons de réfléchir et nos façons de vivre.
Est-ce qu'on paraît pour faire changement ça? Est-ce qu'on paraît pour faire bouleversement ça? Ce tremblement de terre, c'est tout, et tout ça qui est construit déjà dans la vie, qui pas de correct, qui pas de chita sous la parole, qui pas de chita sous volonté bon Dieu, qui supposait tomber. Faut vie manière yo, vie façon penser yo, vie façon réfléchir yo, ça qui priorité pour aujourd'hui, pour idée yo, matériel tout à force matériel, ou pas dit deux mots, sont pas dit travail, sont pas ouais l'argent avant toute bagaille. On commence par le commencement, à savoir la sagesse de Dieu. Et qui côté sagesse mon Dieu commencer, qui côté pas qui bon pour commencer, Salomon pas quitter personne n'en doute. Li pa kite, li pa bay moun tan pou al chèche kase tèt tou. Non, Salomon dou men ki kote sagesse la commencé. Men route li Proverbe chapitre 9 verset 10. Men ki sa l di? Tande bien, gade sa Salomon apprenn nou nan Proverbe chapitre 9 verset 10, li ban nou leçon 1. Le ou gen créatif pou bon Dieu, c'est les ça ou commencer gen bon comprendre. Sou konnen ki moun bon Dieu ye, ou gen l'esprit. La paix bon Dieu avec ou. Amen. Wow. Wow. Amen. Wow. Le commencement de la sagesse, c'est qui ça? C'est la crainte de l'Éternel. L'Éternel. Amen. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Ah. La crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, c'est pas une question de peur. C'est pas une question de angoisse, c'est pas une question de panique. Non. Mais c'est une révérence. Son révérence que me gagne qui remplit d'émerveillement pour bon Dieu ça, pour s'allier. Pour sa bon Dieu y est. Simplement. Et ça fait l'idou. Si ou est créatif pour bon Dieu, mais qui ça peut le passer? Et laisse ça. Ou n'en point de départ. Ou démarrer sur route sagesse là. Ou démarrer sous ta gestion, l'orgue critique pour mon Dieu. C'est que là, ou décider que rien dans le monde, mes bien-aimés, pas plus important que de que chercher qu'on est mon Dieu. C'est ce qu'on pour faire. Il y a tout qui est cherché qu'on est tout bagaille. Pendant ce temps, la vraie connaissance, c'est quitter la terre, il parle d'elle. La vraie connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est connaître le Dieu vivant. C'est connaître le vrai Dieu. C'est connaître le seul vrai et unique Dieu, mes bien-aimés. C'est chercher qu'on est vrai Dieu, ça. Amen. C'est lui pour chercher qu'on est. Très bien. Ou mettre Dieu tête ou elle prend l'autre connaissance. M'a pas de problème à voir. C'est très bien. Bravo. Mais ou mettre toute connaissance à yo, mais ou manquer l'essentiel. Sans la connaissance du Dieu vivant. Ou manquer l'essentiel dans la vie. Sans la connaissance du Dieu vivant, ou manquer l'essentiel là, mon ami. Ou manquer. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. En fin de compte, la bénédiction, mes bien-aimés, elle est venue pour qui monde? Pour monde qui décide de construire la vie yo, sous fondation ça. Fondation qui? C'est obéissance. Fondation qui relaie obéissance là. Bloc qui relaie obéissance à Dieu là. Ou besoin de camper sous bloc ça. Ou besoin de fondation ça. Fondation supposée gagner bloc obéissance à Dieu là dans seulement. C'est sous bloc ça pour camper, pour fonder, pour fondation en fait. Est-ce qu'on parle, je dis là, pour mettre bon Dieu en premier? Réponse à Épaulier. Est-ce qu'on paraît aujourd'hui pour marcher dans la crainte de mon Dieu, pour capable monter, pour capable prendre route sagesse là? Nous tous qui là nous connaissons qui route pour nous faire, les noms dehors pour aller à la caille, nous tous connaissons qui route pour nous faire, pour aller tel côté, pour aller dans le côté de Braille. Nous connaissons route. Nous connaissons pile route. En pile nous là, nous connaissons pile route. Mais et route sagesse là? Au compte de sagesse là, cherchez qu'on route ça, cherchez qu'on aille bien, et c'est ça le Seigneur vient porter pour moi ça. Mettez-le en premier, cherchez gain craintif pour lui, avec temps, cherchez mettez-le en premier avec temps, engagement,
passion, appel. Est-ce qu'on prêt pour dire oui, Seigneur? Est-ce que jodi a ou prêt pour dire oui, Seigneur? Est-ce que jodi a ou prêt pour mettre en pratique sagesse que bon Dieu pote pour vous? Pour capable faire tourner yon style de vie. Car en pile nan nous a fonctionné quand qu'on insensé, quand qu'on moun fou. Parce que décision nous prenons n'importe qui genre, nous fait ça nous voulons, les nous voulons, et puis c'est les nous tomber dans chaud, et puis les ça, nous cherchons à frapper tête nous, chercher côté qu'on est bon Dieu. Parce que nous pas prenons sans nous pas, la sagesse pas fait partie de style de vie nous, parce que nous fonctionnons tant que des froufrou. Si c'est le cas pour vous, je dis, c'est jour pas pour reprendre. Pour capable marcher dans la victoire. Rentrez. Retournez. Ressaisir. Parce que bénédiction est pour vous lier. Prospérité est pour vous lier. Le Seigneur promet tout et la parole. Mais qu'on est bien. Commencement, sagesse là. Qui côté lié? L'orgue craintif pour bon Dieu. C'est là ça. Vous commencez. Bien bon comprendre. Si vous connaissez qui mon bon Dieu est, vous avez l'esprit. Maintenant, vous reconnaissez l'importance pour construire la vie ou sous fondation ça. Qui fondation lié? La fondation de la sagesse de Dieu. Maintenant, on va reconnaître que ça a commencé avec le fait de mettre bon Dieu en premier dans tout domaine de la vie. Baille bon Dieu première place dans la vie maintenant. Mandez-le pour la bonne direction. Mandez-le matin pour grâce d'y accompagner, pour Saint-Esprit diriger, pour capable marcher dans la route de sagesse là. Depuis qu'on y est, pour mettre pied dans la direction ça, pour qu'arriver côté lui-même, il veut arriver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous dirige au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.